D'accord. Pas... Bon, non, mais je veux dire. Elle se. Elle... Restons en Chine, oui. Mathieu Béliard. Elle se dénude pour obtenir un crédit. En fait, c'est une pratique qui vient d'être révélée. C'est ces prêteurs qui concrètement cherchent une garantie bancaire. Ils vont vous prêter une somme de, bah, je vous traduis, hein, je vous fais les conversions de 70 à 700 euros, en yuan évidemment. Et en garantie bancaire, ils demandent de ces jeunes filles de laisser une photo d'elles dénudée. Pourquoi? Parce que si elles ne remboursent pas, ils pourront mettre la photo en ligne ou l'envoyer aux parents. Ce qui évidemment pose un énorme souci pour ces jeunes filles chinoises. On a le cas de figure de cette jeune fille parce que ce sont des crédits en plus avec des taux hebdomadaires de 30%. Cette jeune fille qui avait emprunté l'équivalent de 700 euros, qui se retrouve avec 7000 euros de dette et qui doit y rembourser sinon ses photos nues. Si Charles veut demander un crédit, ça marche. Là, il va prendre une amende. Ah, ça marche, il va prendre une amende. Mais je pense pas que ça soit terrible. Enfin bon. Périne. Oui, quoi? Non, je dis ça comme donc ça. La menace ne pèsera pas bien. Il y en a déjà beaucoup. Remarqué, oui. Père Noël noir provoque une déferlante raciste aux États-Unis, Périne. Eh oui, ça se passe dans l'un des plus gros centres commerciaux américains, dans le Minnesota. La galerie commerciale voulait un Père Noël pour tous, et donc elle a recruté Larry Jefferson avec sa barbe bien fournie, un petit peu dodu, souriant, ses vêtements rouges et blancs. Mais voilà, il est afro-américain, et ça n'a pas plu du tout aux clients de la galerie qui se sont acharnés sur lui, qui lui ont jeté des tonnes de propos racistes, si bien que plusieurs médias qui ont rapporté l'information de cette embauche ont dû fermer les commentaires tellement il y avait une vague de propos racistes. Et le Père Noël en question, Larry Jefferson, qui a tout de même dit que ce n'était pas grave, qu'il était quand même un Père Noël, un Père Noël. Ça vous choquerait, ou un Père Noël noir? Pas du tout. Ça vous choquerait? Non, pas du tout. Ça vous non, pas. Mais non, mais je suis persuadé que ça choque certains. Il se retrouve bloqué à l'intérieur Mathieu de ça. Mathieu et sa veste bleu, blanc, rouge. Oui, tiens, on va transformer en Père Noël. Voilà, grimé pour Noël, non? Ça va être notre Père Noël. Oui, bah moi je veux bien. Vous voulez bien? Oui. Ah ben d'accord. Faut que je prenne quelques kilos. Non, pas du tout. On va trouver une barbe, des trois coussins autour de la taille. Ne vous inquiétez pas. Tiens, on va le déguiser en Père Noël. Ce sera notre Père Noël. Merci, 6h29.